I was thinking, maybe you're afraid of this big film because you're afraid of, you know, traditional success or something. And so I decided maybe I'll take the scary path and be a part of it. Becoming famous at the age of 20 years old or whatever, I think it did. I think it had a massive effect on my mental health. The best thing for me to do was to take a step back and kind of reassess my life. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sans perdre plus de temps, on attaque tout de suite. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur le parcours de Josh Hartnett qui nous fait son grand comeback au cinéma avec le film Trap. Je me suis donc dit qu'il était l'occasion de revenir parler de ce charmant jeune homme qui s'était fait plutôt discret ces dernières années. Il y a une explication, je vais tout vous raconter. C'est parti. Josh Hartnett est donc un acteur, mais également producteur américain, et il est né le 21 juillet 1978 dans le Minnesota. Il a des origines irlandaises et allemandes du côté de son père, et des origines suédoises et norvégiennes du côté de sa maman. Il a été élevé en grande partie par son père, Daniel, ainsi que sa belle-mère Molly, lorsque ses parents ont divorcé, car lui il est resté dans le Minnesota, tandis que sa mère est retournée à San Francisco. Il est végétarien depuis très longtemps, depuis ses 12 ans, et il a reçu une éducation catholique, donc il a effectué sa scolarité dans des écoles ainsi que des lycées religieux. Son premier aperçu de la scène, ça a été à l'école primaire, il était enfant de cœur, et voici ce qu'il raconte. Mes amis et moi avions l'habitude d'assister à chaque enterrement parce que nous gagnions 5 dollars et que nous pouvions quitter l'école. Tout le monde traitait ça comme si c'était un inconvénient pour nous. Mais nous nous disions, 5 dollars et tu n'es pas à l'école? C'est dommage que ces gens aient dû mourir, mais ils sont morts. Pourquoi ne servons-nous pas? Donc voilà, pour la petite anecdote. Du coup, il a commencé à s'intéresser au théâtre et il a dû surmonter ses soupçons parce que pour lui, la scène était réservée aux poules mouillées. Donc il a quand même tenté, il a fait une production de théâtre pour enfants, c'était Tom Sawyer et il a obtenu le rôle de Huck Finn. Suite à ça, il a fréquenté le Minneapolis South High School avec l'actrice Rachel LeCook. À la base, Josh Hartnett voulait devenir footballeur, mais il s'est blessé au genou gauche, donc il a dû abandonner ce rêve. Mais c'est pendant qu'il travaillait dans un vidéoclub que là, lui est vraiment venue la passion pour le métier d'acteur. Donc les films qui l'ont marqué, par exemple Trainspotting, L'Armée des 12 Singes, Usual Suspect. Du coup, il a commencé à étudier le théâtre à l'université de l'État de New York. Mais lorsqu'il a écrit une lettre au doyen disant que le système d'évaluation étouffait la créativité des étudiants, il a été expulsé. Bon, c'est pas grave parce qu'entre-temps, il y a un booker de talent qui va le remarquer. Il va lui passer sa carte. Il va avoir un manager qui s'appelle Nancy Kramer, puis il part s'installer à Los Angeles. Alors avant même qu'il arrive, on est début 1997, le responsable du casting du réseau WB avait vu une cassette d'audition de Josh et selon son manager, donc son agent, on va dire, Nancy, il avait mis un veto sur lui parce qu'il l'aurait bien vu jouer dans Dawson. Manifestement, ça ne s'est pas fait, mais déjà, quand il est arrivé, sa manager, donc Nancy, elle l'attendait à l'aéroport. Elle avait déjà 80 auditions programmées sur 3 semaines, sachant que la moyenne, c'est environ 4 auditions par semaine pour un acteur. Elle dit que quand il sortait d'une audition, il recevait tout de suite un appel, ce qui est plutôt du jamais vu. Et en plus de cela, les directeurs de casting appelaient d'autres directeurs de casting pour leur dire qu'ils devraient le rencontrer. C'était un énorme buzz qu'on ne peut pas acheter à Hollywood. C'est juste un cadeau du ciel. Donc, ça fait 2 mois que Josh est à Los Angeles. Il décroche un rôle dans la série policière ABC Cracker. Et 9 épisodes plus tard, bon, la série s'arrête. Du coup, il va se consacrer au film. Et tout va commencer en 1998, lorsqu'il décroche le rôle du fils de Jamie Lee Curtis dans Halloween 20 ans après. Hollywood lui ouvre ses portes. Du coup, il est choisi par Sofia Coppola, sans même avoir auditionné pour jouer dans Virgin Suicides, où là, d'entrée de jeu, hein, pour Sofia Coppola, elle voulait en faire une icône. Elle dit qu'il avait tout simplement ce truc. Alors suite à ça, il va jouer dans The Faculty. Matt Robert.
Rob Roeder, you guys hadn't read the script, and he cast me on the spot, essentially, for Zeke. Many years afterward, I was like, why? What'd you see in me? Like, I didn't know what I was doing. He's like, it's precisely because you didn't know what you were doing. You were, like, too cool to have read the script that I thought you'd be perfect for Zeke. It's like, it wasn't that I was too cool, it was just I didn't know at all. Puis va enchaîner plusieurs petits films, dont Un été sur Terre, Coup de peigne, où il retrouve justement son ancienne camarade de lycée, Rachel Lecouc, avant d'endosser l'uniforme de l'armée américaine dans la super production Pearl Harbor en 2001 aux côtés de Ben Affleck et Kate Beckinsale. Bon, c'est le film qui va le révéler au grand public et pourtant, Josh a bien failli ne jamais jouer dans ce blockbuster. Déjà, Jerry Bruckheimer, alors qu'ils étaient en train de tourner le film Pearl Harbor, il arrêtait pas de lui dire « ce film va changer ta vie ». Tout comme Ben Affleck, il lui disait la même chose. Et Jerry criait à qui veut l'entendre que ce gamin deviendrait une star de cinéma grâce à ce film. Selon une source, quand le film a été projeté sur un public test, il a reçu la meilleure note, en particulier auprès des filles, plus que n'importe laquelle de ses autres co-stars. Alors certains disent en rigolant que c'est peut-être parce qu'il avait enfin une coupe de cheveux décente. Oui, en effet, sa fameuse coupe un peu au bol, là, c'est lui-même qui se la faisait, il se coupait tout seul les cheveux. Donc à force que tout le monde lui dise que ce film allait changer sa vie, bah c'est justement pour ça qu'il était réticent à accepter ce rôle. Il en avait parlé, j'étais content de la renommée que j'avais et du type de rôle que j'obtenais. En même temps, je me suis demandé, ai-je simplement peur qu'en faisant Pearl Harbor, j'entre dans une nouvelle catégorie de cinéma pour laquelle je ne suis pas prêt. Mais son père l'a convaincu, il lui a dit que la renommée était temporaire, mais le regret est permanent. J'ai finalement choisi de le faire parce que refuser aurait été une décision prise par peur. Après, ce film m'a vraiment défini. Donc j'avais raison d'en avoir peur. Donc en effet, Josh Hartnett devient l'acteur le plus en vue d'Hollywood. Il est même surnommé Josh Hotnett par ses fans. Il fait la couverture de Teen People, Teen Magazine, Seventeen, enfin bref, tous les journaux. Il est en tête de tous les classements des célébrités les plus sexy. Et il a pas mal de propositions pour jouer dans des grosses productions. Donc tout ça, on pourrait croire que c'est très cool. On verra plus tard que c'est pas le cas. Il y a un article d'ailleurs qui va être rédigé en 2001. Ça s'appelle The Making of Josh Hartnett, c'est par Vanity Fair. Et quand on lui présente cet article, qui justement trace un petit peu son parcours, il dit « ce papier est horrible ». Y avait-il ne serait-ce qu'une citation de moi dedans, ou est-ce que tout le monde parlait de combien j'étais sexy ? Après ça, les gens ont eu des reproches à mon sujet. Ils pensaient sincèrement que je leur étais imposée. C'était très bizarre comme période. Et des années plus tard, d'ailleurs en 2021, lors d'un talk show australien, il dira sur sa renommée « la chose la plus importante pour moi, c'est que j'aime vraiment faire des films. Mais l'industrie en elle-même était écrasante pour un jeune de 21 ans. Du moment que je gagnais de quoi manger, j'étais content. » Bon alors Pearl Harbor n'a pas eu le succès au box-office escompté, mais il a quand même été le sixième film le plus rentable de 2001. Et à ce moment-là, donc vu le succès qu'il a, bon bah Josh décide de retourner au Minnesota. Il va y passer 18 mois sans lire un seul scénario. Il voulait renouer avec son ancienne vie. Donc il a même recommencé à fréquenter sa chérie du lycée. Sauf qu'au lieu d'emménager chez ses parents, il a acheté un manoir d'1 million d'euros sur le lac des îles. I went back to Minnesota in 2001 after doing Black Hawk Down because I felt like I needed to be around people that really knew me. Well, there was something unattractive about it in that I felt like I was still developing as a person and I didn't want to be developing in the spotlight. I didn't feel like I would develop in a kind of natural way because I'd spent 4 years out of high school essentially working on films. And I knew that was going to be, if I continued that way, I'd be kind of sucked up into a world where I don't really know anybody. Il revient avec un film de guerre encore, La chute du faucon noir, puis il change complètement de registre avec la comédie, ce sera pour le film 40 jours 40 nuits. Et là, il y a justement le réalisateur ainsi que le producteur du film qui vont s'exprimer sur Josh Hartnett. Ils déclareront « nous voulons tous être une star ». Tout le monde, mais il y a aussi quelque chose de potentiellement très destructeur là-dedans. Il y a chez Josh une véritable tendance ambivalente à l'égard de la célébrité. Il la veut, il peut en quelque sorte y goûter, il essaye juste de comprendre s'il existe un moyen de l'avoir selon ses propres conditions. Il est encore en train de découvrir qui il est et de quoi il s'agit. Il est juste très jeune. Dans la foulée, il est élu végétarien le plus sexy en 2003 par la PETA. Ça m'a fait rire. Et il va se glisser dans la peau de Lago dans le film O.
en 2003, qui est une adaptation d'Othello de Shakespeare aux côtés de Julia Stiles, avec qui d'ailleurs il entretiendra une brève romance. Puis ensuite, il retourne aux productions hollywoodiennes aux côtés d'Harrison Ford dans Hollywood Homicide en 2003. Et voici ce qu'il raconte par rapport à Harrison Ford. « Nous avions nos avantages et nos inconvénients. Il m'a testé. » Et je l'ai détesté pendant un moment. Il s'en prenait à moi pour mes choix, comme « ce n'est pas une coiffure de flic ». À part Brad Pitt dans « L'ombre du diable », avec qui Harrison Ford se disputait aussi constamment, ce qui paraît, je suis le deuxième jeune homme avec qui il a travaillé dans toute sa carrière. Alors quand je suis arrivé sur son territoire, il a commencé à me donner un coup de coude. Il est peut-être le gars le plus gentil avec tout le monde, mais avec moi, il pouvait rester assis dans la voiture pendant une heure sans me dire un mot. Voilà l'ambiance, et il va pas l'oublier. Hein. Bon, suite à ça, la même année, son agent lui a annonce une nouvelle génialissime. Il y a Christopher Nolan qui souhaite le contacter pour parler du projet Batman. Bon, il va refuser. J'ai définitivement dit non à certaines des mauvaises personnes. J'ai dit non pour Batman parce que j'étais fatiguée et que je voulais passer plus de temps avec mes amis et ma famille. C'est mal vu dans cette industrie. J'ai retenu la leçon, j'étais tellement concentrée sur le fait de ne pas être cataloguée et j'avais tellement peur d'être considérée comme une seule chose en tant qu'acteur. Beau gosse quoi. Back in, you know, 2002 or 2003, I had a meeting with the director who I thought I should have formed a relationship with and I liked a script that he had that his brother had written. Mm-hmm. And he ended up doing that next and I said to him at the time, like, I really want to do this. I mean, we were talking about Batman, but I didn't really want to, it wasn't what I was interested in. Bon, par la suite, côté vie privée, il va fréquenter la mannequin Daria Werbowy. Ils vont sortir ensemble quelques temps, environ un an, avant de se séparer. Puis côté film, il va jouer dans un film indépendant qui s'appelle Rencontre à Wicker Park, qui est le remake américain du film français L'Appartement, avant de participer à Sin City de Robert Rodriguez dans le rôle du tueur. Il interprétera ensuite un autiste atteint du syndrome d'Asperger dans Crazy in Love en 2005, avant de rejoindre Bruce Willis à nouveau dans le film Slevin. 2006, c'est l'année où le Dahlia Noir de Brian De Palma sort. Ils l'ont tourné en 2005, d'ailleurs au passage, il a fait la rencontre de Scarlett Johansson et ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, jusqu'en 2007. Le film sort, Josh dispose encore de suffisamment de pouvoir de star pour faire la couverture des magazines, mais le récit n'est pas glorieux, on le traite d'acteur raté, d'idole adolescente en convalescence, qui essaye de faire un retour. Alors voici ce qu'on peut lire dans les colonnes hein, de GQ par exemple. « Soyons honnêtes, Josh Hartnett nous a été imposé. C'est comme ça que ça s'est passé avec lui. On nous a juste dit que c'était une star. Son omniprésence est venue si soudainement qu'au moment où nous avons pu mettre un nom sur son visage, la mâchoire carrée, la coupe de cheveux en ciseaux de sécurité, la beauté vaguement loufoque, nous en avions déjà marre de le regarder. » Voilà, sympa. Du coup, à ce moment-là, bon bah la société de production de Josh Hartnett ferme ses portes. Il en avait créé une. Bon bah elle la ferme, sans même avoir développé un seul projet. Il n'a que 28 ans. Bon, comme je vous dis, en plus, son couple avec Scarlett, c'est terminé. Et alors là, ça va être le défilé en 2007. On va lui prêter, en tout cas, des liaisons avec Penelope Cruz, Sienna Miller, le modèle Gemma Ward. Et il va avoir une relation en dents de scie, intermittente, de 2007 à 2009, avec la mannequin Elena Christensen. Il va s'exprimer beaucoup plus tard sur toutes ses conquêtes hollywoodiennes. Il va dire que sortir avec certaines de ses anciennes co-stars a eu un impact négatif sur sa carrière et lui a fait beaucoup d'ennemis à Hollywood. Quand on lui demande ce qu'il pense de trouver l'amour sur un tournage, il dit « Je ne le recommande pas aux jeunes acteurs. On peut se faire beaucoup d'ennemis dans le métier de cette façon. Mais quand on travaille avec quelqu'un tous les jours, c'est comme si on faisait une période d'essai. Vous développez un fantasme à leur sujet, ça ne marche pas toujours. Pourtant, on verra plus tard qu'il a rencontré sa femme sur un tournage, mais ce sera plus tard. » Bon, en tout cas, malgré toutes ces petites aventures, il va quand même tourner en 2007. Il va participer au film Renaissance d'un champion avec Samuel L. Jackson. Il va également faire l'adaptation du roman graphique 30 jours de nuit. Puis en 2008, on le retrouve au théâtre à Londres pour l'adaptation théâtrale de Rain Man. Là, il va commencer à se faire de plus en plus discret. Il va faire beaucoup de films indépendants, des courts-métrages par-ci par-là, tels que Je viens avec la pluie en 2009, Bon Raku en 2010, Stuck Between Stations en 2013. Et tout ça parce que c'est plus en accord avec ses convictions. Comme il le dit à la base, quand il est arrivé à Hollywood, il n'avait pas en tête le label idole. Il ne pensait pas devenir une star, en tout cas il n'était pas venu avec cette intention. Il avait déclaré à Variety qu'il n'avait jamais eu l'intention de le devenir et qu'il luttait même en permanence contre ça. Il était plus intéressé par ce que chaque personnage qu'il incarnait signifiait pour lui.
Je voulais vraiment être un acteur sérieux. Ce que je ne comprenais pas, c'est que j'étais dans une position incroyable, travaillant avec des réalisateurs formidables sur des projets formidables. Au bout du compte, peu importait la façon dont les gens me percevaient dans les tabloïds ou autres, tant que je travaillais dans l'industrie. Mais j'étais trop jeune pour vraiment comprendre cela, pour faire la différence. Bon, comme je vous disais, avec toutes les couvertures de magazines qu'il a fait, on voyait sa tête partout. Les paparazzi, ils l'ont traqué sans relâche. Les réalisateurs, ils l'ont harcelé pour faire des super productions. C'était trop pour lui. Rétrospectivement, il dit que la presse à l'époque était un peu différente. Hein, au début des années 2000, il y avait des paparazzi à chaque coin de rue. On ne pouvait pas vraiment aller nulle part sans être en quelque sorte harcelé. À l'époque, il y avait l'idée que l'on devait se donner à ce métier tout entier. Et on voyait bien ce qui arrivait à certaines personnes. Elle finissait oblitérée par tout ça. Ce n'était pas ce que je voulais pour moi. L'attention que les gens me portaient à l'époque était à la limite du malsain. Il y a eu des incidents, des gens se sont présentés chez moi, ils m'ont harcelé. À un moment donné, un type s'est même présenté à l'une de mes premières avec une arme en prétendant être mon père. Mais il a fini en prison. J'étais en couverture partout. Je ne pouvais aller nulle part. J'étais seule, je ne faisais confiance à personne. J'ai donc été considérée comme ingrat par la machine publicitaire qui tentait de me vanter. Il me considérait comme quelqu'un qui avait mordu la main qui me nourrissait. J'ai essayé de trouver des films plus petits auxquels je pourrais participer. Et ce faisant, j'ai coupé les ponts avec les studios parce que je ne participais pas à tout ça. Du coup, il s'est éloigné des projecteurs, il a rompu ses liens avec ses agents et il a tenu à jouer dans des films au succès plus intime, on va dire. Des petits films indépendants dans lesquels il se sentait plus à l'aise. C'était la meilleure chose à faire pour ma santé mentale et pour ma carrière de garder Hollywood à distance. Heureusement, je l'ai compris très tôt dans ma vie. Je voulais me créer une belle vie avec ma famille. Faire des choses folles à côté, comme des films, est un privilège. Je pense qu'à Hollywood, la plupart des gens abandonnent leur ancienne vie et socialise simplement avec des gens qui travaillent dans l'industrie parce qu'ils vont vous embaucher pour le prochain emploi. Les gens qui sont au sommet sont terrifiés à l'idée que quelqu'un arrive derrière eux. Si telle est votre véritable ambition, être au top tout le temps, vous allez passer toute votre vie à regarder par-dessus votre épaule. Je n'ai jamais voulu ça. Et là, petit clin d'œil à Harrison Ford. Becoming famous at the age of 20 years old or whatever, yes, I think it did. I think it had a massive effect on my mental health. I would say that now people are much more aware of it, and it's a good thing. It's nice to see that people can take a break and not be considered crazy. That was the big thing for me. I realized like this is not healthy. The amount of attention being being put on me. The best thing for me to do was to take a step back and kind of reassess my life and work when I wanted to and then spend time with my family when I had time off. Alors en janvier 2012, il va fréquenter Amanda Seyfried. Ils vont sortir ensemble pendant 6 mois parce qu'elle va partir jouer à Londres Les Misérables. Donc ça va capoter 6 mois plus tard, mais il va faire la rencontre de sa chérie, donc sa femme, l'actrice et mannequin Tamsin Edgerton. Ils se rencontrent en 2011, donc c'était juste avant Amanda, sur le tournage du film The Lovers. Et voici ce qu'il raconte. « Nous avons joué mari et femme dans le pire film que nous ayons jamais réalisé. Nous tournions ici à Londres et tous deux étions en couple. Mais nous avons réalisé que ça n'allait pas fonctionner parce que nous nous aimions vraiment. Alors j'ai rompu avec ma petite amie. Elle a rompu avec son petit ami. » Et puis après avoir arrêté le tournage, nous avons commencé à sortir ensemble. Donc au début, ça a été relation longue distance entre New York et Londres, parce qu'elle est restée à Londres. Ensuite, elle est partie aux États-Unis et nous avons fait un long voyage en voiture où elle a rencontré mes parents. Et ça a continué, elle est restée avec moi, je suis restée avec elle. Nous vivions la plupart du temps entre deux maisons. Puis, elle est tombée enceinte. Alors oui, ils vont avoir 3 enfants. How many did I look at? Yeah, how many tuxedos? Very few. Really? Yeah, because I have 4 children. So I don't take a lot of time with these things. Ils vont se marier en novembre 2021, 10 ans donc après leur rencontre. Il vit principalement en Angleterre, mais il revient aux States pour le travail. Quand nous avons commencé à avoir des enfants, ma femme voulait être près de sa famille. Alors nous sommes en Angleterre la plupart du temps pour y parvenir. Bon, avant tout ça, faisons un petit retour en arrière quand même, à l'époque donc où il rencontre sa chérie. Hollywood, on n'en parle plus, hein. Donc il va faire un comeback sensationnel tout de même au petit écran. De 2014 à 2016, il rejoint le casting de Penny Dreadful, qui est une série gothique, aux côtés d'Eva Green, où là, selon les critiques, il offre la meilleure performance de sa carrière. Donc il incarne un homme meurtri par son passé, en quête de rédemption et qui fait face aux figures de la littérature mondiale
monstrueuses telles que Dracula, Dorian Gray, Frankenstein. Donc c'est quand même le comeback qu'il a fait. Mais il n'est jamais vraiment parti, parce que, ok, les autres films qu'il a fait après, ça n'a pas déchaîné les passions, mais il a quand même continué à tourner en Wild Horses, Valley of the Gods avec John Malkovich, également She's Missing avec Aiza Gonzalez, puis Oh Lucy, qui est une coproduction nippo-américaine qui est sortie en 2018, et il a été sollicité par la suite par Guy Ritchie de manière complètement fortuite. On est en 2021. Guy Ritchie se retrouve en galère pour son film Un homme en colère. Un comédien l'a lâché. Du coup, bah, il va appeler Josh Hartnett parce qu'il sait qu'il habite pas loin pour lui demander s'il peut venir remplacer cet acteur. Bon, bah, du coup, Josh Hartnett a accepté. Il a improvisé son personnage à la volée, mais il dit que ce fut l'une des meilleures expériences de sa carrière. Il a également joué dans Inherit the Viper et Suspect numéro 1. Puis il retrouve Guy Ritchie en 2023 dans Opération Fortune Ruse de guerre. Et surtout, on le retrouve également dans le film Oppenheimer qui a été acclamé par l'Académie des Oscars. Il apparaîtra aussi dans une comédie qui s'appelle Die Hard de Kevin Hart. Il fera aussi une apparition remarquée dans la saison 6 de Black Mirror. Donc voilà, déjà 2023, ça a été vraiment l'année du comeback pour Josh qui vit à la campagne, hein, toujours dans le Hampshire, un environnement qui lui convient très bien, plus simple, plus vrai, plus authentique. Selon lui, à Los Angeles et à New York, les gens ne veulent que parler de leur carrière. Il dit que pour lui, il sent que c'est un nouveau chapitre qui commence dans sa carrière. C'est peut-être à cause de mon âge. Je pourrais citer 1 million d'exemples d'acteurs qui sont devenus plus intéressants en vieillissant. On ne peut pas être un ingénu pour toujours, n'est-ce pas? Et quand on lui parle de son succès passé, hein, de la gueule d'ange d'Hollywood qu'il était, il dit « Cela me semble tellement éloigné de ce que ma vie est maintenant ». Toutes ces couvertures de magazines, les paparazzi, tout ça ne correspondait pas du tout à la façon dont je vivais ma vie, ni à ce que je pensais être. Donc je me sens vraiment moi-même maintenant. J'ai pris des mesures pour rendre ma vie moins folle après la sortie de Pearl Harbor. J'ai réussi et je suis restée en quelque sorte en dehors de la mêlée. Quand j'étais plus jeune, il était important pour moi de comprendre qui j'étais, ce que je voulais pour ma vie, comment je voulais créer ma vie sans trop de contrôle. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je me sens à l'aise d'être qui je suis sous les projecteurs si j'en ai besoin. Je me sens vraiment bien dans cette vie. J'ai des amis sur lesquels je peux compter et j'ai ma famille. Je veux être sûre de ne pas perdre ces relations. Ces gens font de moi qui je suis aujourd'hui et je place ces considérations bien avant le fait d'avoir une carrière. Je ne voulais pas être un autre genre de personne et je ne le serai jamais. Voilà, donc ça a toujours été la famille, la vie privée, tout ça, le plus important pour Josh. Et bah du coup, dans son comeback déjà bien amorcé depuis 2023, bah, il continue. Donc là, il a fait son grand retour au cinéma le 7 août. C'est donc pour le film Trap de Night Shyamalan qui lui offre un rôle unique qu'il a longtemps désiré. Comme il dit, hein, ses réalisateurs me trouvent désormais intéressant. Dans ce film, il incarne Cooper, un père qui emmène sa fille adolescente au concert d'une pop star façon Taylor Swift. D'ailleurs, quand il tournait cette scène, c'est assez marrant l'anecdote qu'il raconte. Lors du tournage, la réaction du public par le réalisateur me semblait démesurée. Moi qui n'avais jamais assisté à un concert pop avec mes enfants, je trouvais que les spectateurs étaient trop survoltés dans le film, hein, bien sûr. Car pour moi, les gens n'agissaient pas ainsi en concert. Oui, alors il a vite changé d'avis quand il a emmené ses filles voir le concert de Taylor Swift à Londres. C'était donc pour The Eras Tour. Ah ben, il a vu ce que c'était. Hein. De nos jours, les enfants sont en transe devant les artistes qu'ils aiment. Leur fanatisme envers Taylor Swift et le fait qu'ils pleuraient quand ils la voyaient correspond à ce que Knight, donc le réalisateur, a créé ici. Cela m'a beaucoup impressionné. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Donc, dans le film, il emmène sa fille à un concert de pop, mais en fait, il n'est pas qu'un gentil papa, c'est en fait un tueur en série qui est recherché par la police, qui a monté spécialement cet événement pour le coffrer. Alors, le réalisateur a déclaré en parlant de son film que c'était un mélange entre Le Silence des Agneaux et un concert de Taylor Swift, et Josh complète en disant le concept de ce film qui est tellement cool et que nous vous disons dès le départ qui est le méchant. Et pourtant, nous avons besoin que vous le souteniez pour qu'il se sorte de cette situation. Ça me fait penser à la série You, où on sait que Joe est complètement frappé, mais on n'a pas envie qu'il se fasse prendre. Vous voyez ? Alors du coup, pour créer ce personnage, Josh, il dit que son travail a consisté à faire des recherches sur des personnes souffrant de psychopathie.
ainsi que sur des tueurs en série, ça a dû être sympa comme recherche. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. La conclusion la plus évidente qui m'est venue de ces recherches est que les personnes souffrant de psychopathie ou ont des tendances sociopathiques composent une importante partie de la population. C'est environ 4%. On peut voir concrètement ce genre de personnes dans de nombreux champs de la société, dans la politique, dans mon milieu professionnel. Ces gens sont de grands acteurs qui parviennent merveilleusement bien, et je trouve que ça marche encore mieux dans le contexte du film, à trouver leur place parmi nous. Ça fait froid dans le dos ce qu'il dit. Bon, en tous les cas, il savoure d'avoir pu collaborer avec un réalisateur qui, selon lui, est l'un des meilleurs à l'heure actuelle, pour incarner donc ce père meurtrier, psychopathe, hein, mais qu'il joue de manière absolument charmante. J'ai toujours essayé de faire des choses qui sortaient des sentiers battus, et maintenant, on ne me range plus sous une étiquette et on me permet d'interpréter ces personnages divers. C'est formidable, je me sens vraiment chanceux. Voilà le comeback, le grand comeback de Josh Hartnett. Pour moi, c'est son réel vrai comeback, parce que les autres films, je sais pas, je crois pas qu'il avait le rôle principal. En tout cas, je les ai pas vus, mais là, Trap, on voit la bande-annonce partout, quoi. Ça fait des mois qu'on nous parle de ce film. Enfin, en tout cas, me concernant, c'est Trap, le grand comeback hollywoodien de Josh Hartnett. Oui, ça faisait un bail, hein, de toute façon, personnellement, que je savais qu'il avait quitté Hollywood parce qu'il supportait pas la célébrité. Mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'espère vous avoir appris des choses sur Josh. Je pense que cet acteur nous mettait tous d'accord quand on était jeunes. Hein. C'était le boyfriend idéal. Donc ça fait plaisir quand même de le voir à nouveau sur le devant de la scène. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Bisous, ciao.